Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Alors nous sommes aujourd'hui le, je ne sais même pas, vendredi 25 août et je vais vous faire une petite vidéo concernant le crash de vague qui n'a plus de nerfs, d'accord? Il est chaud le café, hein? Waouh! Donc, on va voir un petit peu si ce crash est accidentel ou si c'est notre cher tsar qui est là-dessous, d'accord? Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce monsieur-là, Wagner Prigogine, a été tué dans un accident d'un jet privé là, qui s'est écrasé. Voilà. Donc, c'est le chef des armées qui se sont... qui s'est soulevé contre le tsar. D'accord? Donc, on va voir, en fait, si cet accident qui lui a coûté la vie à ce monsieur, qui n'est pas tout rose, hein, je vous dis tout de suite, c'est pas une bonne personne, hein. Mais il a eu le malheur, j'ai envie de dire, de se retourner contre le tsar. Et peut-être que s'il n'aurait pas dû. Voilà. Donc, on va voir si cet accident, ce crash d'avion est naturel, quoi. Voilà. Hein? On va poser la question. Allez. Donc, la renommée ici, c'est bien quelqu'un de l'armée. Alors, vous voyez, là, j'ai l'image de lui, là. Donc, il est en armée, hein, parce qu'il est chef des armées. Une sorte de... Alors, c'est une armée un peu spéciale, une milice, hein, qui faisait le boulot en nuque de la reine. Donc là, j'ai bien le clairon de l'armée, le drapeau et puis les lauriers. Hein, donc, c'est quelqu'un qui faisait partie des chefs des armées. Hein, donc, d'accord. Donc, moi, c'est quelqu'un qui a voulu partir, départ des armées de Poupou, hein, enfin du tsar. J'aime pas trop dire Poupou parce que ça le rend plus sympathique que ce qu'il n'est, alors que c'est pas une personne très sympathique. Donc, on va dire du tsar, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a voulu partir et se rebeller un peu contre le tsar, d'accord? Pour de l'argent. Ah, donc ça, on sait un peu plus. C'est pour de l'argent, en fait. Hein, parce qu'il voulait, je crois qu'il voulait plus de moyens pour ses militaires. Hein, il me semble que c'est un truc comme ça, hein, qu'il demandait plus de moyens, que ce soit au niveau de l'armée qu'au niveau argent. Donc, ouais, donc ça s'arrête là, là. Donc, il y a eu le feu entre deux, hein, entre ce monsieur et le tsar. Vous voyez, j'ai le duel, là. Pour son plus grand bonheur à lui, hein, moi, j'ai un blocage. J'ai un blocage de... Alors, j'ai l'étoile de la femme, c'est la Russie, du tsar, vous voyez, la tête couronnée, qui a amené à sa perte ce monsieur. Bon, alors, est-ce que cet accident, ce crash d'avion... de monsieur Wagner Prigogine, je crois que ça se dit, est un véritable accident. Est-ce que le crash de cet avion est un accident, comme il peut en arriver? Bon, alors je vous dis que non, parce que là, il y a un contrat qui a été mis, vous voyez. Est-ce que c'est un simple accident? J'ai encore le contrat qui est là. Vol perte de cette union. C'est un travail, ça a mis le feu. Alors, sur sa destinée, excusez-moi, j'ai un truc là qui... Un homme des hommes a créé son infortune. Bon, alors moi, j'ai pas l'accident là. Vous voyez, j'ai pas la carte de l'accident. Parce que normalement, j'aurais dû sortir, comme pour le titan, j'avais dit, il y a eu un accident. Il y a eu quelque chose qui a pris feu, il y a eu un accident. Voilà. Donc, c'est quelque chose de naturel, on va dire. Là, j'ai pas la carte de l'accident. Vous voyez bien. Donc, moi, on me dit que par le passé, tout allait bien entre lui et le tsar. Hein. Sauf qu'un contrat, on va faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur le contrat qui a été mis sur sa tête à lui, pour lui causer une stérilité à ce monsieur. Pour moi, là, c'est présent. C'est sur sa destinée. Ses associations, les personnes qui étaient autour de lui, vont l'affliger moralement et physiquement, vont lui créer son infortune. D'accord? En idée générale, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un qui est proche de lui,
pensée amitié. Donc, est-ce que c'était le tsar au départ? Ils se sont mis en duel tous les deux. Vous voyez, j'ai les deux coqs qui se combattent, là, qui mettent le feu, concernant des documents, concernant l'entreprise qui est mise en place. L'entreprise qui est mise en place, c'est le tsar qui met en place l'armée de Wagner pour aller combattre en Ukraine. D'accord? Donc, là, ils étaient ensemble au départ pour faire la guerre, le feu, le combat contre l'entreprise, contre le pays Luc de la Reine. D'accord? Là, on me dit qu'en effet, il y a eu un changement par rapport à cette association-là, tous les deux, pour le plaisir de ce monsieur qui a mis en... Enfin, j'ai les contrats du passé ici, l'héritage. Pour moi, il voulait autre chose. D'accord? Il voulait comme une sorte d'héritage, comme une sorte d'argent, pour continuer à faire la guerre pour ses troupes. Hein. Et moi, j'ai vol perte. Quand on a une chauve-souris, la chauve-souris, ça vole. C'est qu'il a causé la perte. Et moi, on me parle, cette carte-là, ça veut dire vol, perte, abus de confiance. Donc moi, pour avoir la paix, le tsar, dans son union avec lui, comme il a vu que lui commençait à se rebeller, se retourner contre lui, et ben pour avoir la paix, et ben, il a causé sa perte. Pour avoir la paix par rapport à cette armée-là et cette milice-là. D'accord? Donc, je vais faire avec le DCK. On ne va pas faire un tirage très très long. Hein. Je vais en prendre une petite gorgée de café. À la vôtre. Il est moins chaud. Ça va mieux. Alors. Dites-moi en plus. Est-ce que l'accident d'avion, oui, on lui a demandé de déménager en fait, on l'a fait déménager, vous voyez, j'ai un cadre de déménagement pour le faire partir. Est-ce que cet accident de vol de vague qui n'a plus de nerfs est un véritable accident? Est-ce que c'est bien un accident naturel? Voilà, l'avion qui crache son vol. Bon, ben non, on va faire la lumière, hein, sur les contrats, on va le savoir, hein. D'accord. On va faire la lumière, vous voyez, sur ce contrat-là qui a été mis en fait sur sa tête. Hein. La route est toute tracée. On en a l'intuition. On en a l'intuition que de toute manière, tout ça, c'était un peu écrit dans les lignes de sa main, là, on est en train de me dire. Hein. D'accord? Alors, est-ce que cet accident qu'a eu Va qui n'a plus de nerfs est un véritable accident? Bon, ben non, hein. Écoutez, et si vous aviez encore des doutes, hein. Bon, moi j'ai bien une dispute entre le tsar et lui, par le passé, présent, c'est que ça concerne de l'argent, c'était une question d'argent, vous voyez, j'ai la colère, c'était électrique, donc ce monsieur voulait de l'argent pour ses troupes, il voulait de l'argent pour continuer à combattre en Uc qui n'a plus de reine, hein. On est bien d'accord, et c'est ce qui a causé une dispute entre eux, vous voyez. Par le présent, là, actuellement. J'ai une manipulation, là, alors, du coup, informatique, dans les airs, qui a causé son désœuvrement. OK. Donc, moi, on me parle de manipulation. Hein. Donc, on va manipuler les merdias, hein. Ça, vous le savez, hein. Pour cacher la vérité. Vous voyez, j'ai la joie, là, pour cacher la vérité, en fait, de ce désœuvrement. Donc, il y a bien un désœuvrement, là. Il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Et en idée générale, hein, donc, on va manipuler les médias. On ne saura pas par les médias, on le sait bien, hein, de toute manière. La solution... Alors, là, j'ai la sagesse, d'accord? Mais j'ai en même temps, la chouette, c'est quelqu'un. C'est un animal, bon, très intelligent. Et souvent, elle est représentée, ça représente la sagesse, la tête couronnée aussi, hein, sur le Béline. Donc moi, c'est ça ce qu'on est en train de me dire. On me dit que la tête couronnée, donc le tsar, qui est quelqu'un qui est soi-disant sage, on met ça entre guillemets, bien sûr, il n'est pas sage du tout, hein, mais a eu une solution, une idée qui lui a illuminé dans le cerveau, c'est de rendre malade, de détruire. Vous voyez, j'ai la carte de l'automne sur ce jeu-là, c'est la perte, d'accord ? De détruire, de rendre malade, de perdre, de faire perdre ce personnage. Donc, si vous y croyez, vous... J'ai la maladie. Il est là, l'ours. Vous voyez?
Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je veux dire le tsar, je veux dire l'ours. Mais j'aime pas non plus l'appeler l'ours parce que ça le conforte dans sa, vous voyez, dans sa force et tout. Et moi, non, on me dit d'arrêter là. Ça le conforte dans sa... Voilà ce qu'il veut représenter. Donc, j'ai pas envie de l'appeler comme ça non plus. Mais vous voyez, il ressort ici. L'ours froid, la glaciale, vous voyez, la force. Donc, moi, tout ça n'est qu'une illusion. D'accord? Et pour atteindre son but, l'ours a créé une maladie, une sorte de problème au niveau de l'avion. Hein, comme un œuf qui clôt, boum. Vous voyez, là, le petit poussin qui sort de son œuf. Donc, là, parce qu'il avait envie de récupérer. Alors là, j'ai la sagesse, mais depuis longtemps, de récupérer quelque chose qui était en construction. Donc moi, c'est pour récupérer Luc de la Reine, et il voulait se débarrasser de lui pour être, on va dire, plus tranquille. Parce que lui, bah, il s'est rebellé contre le tsar. De toute manière, il fallait bien se douter qu'à un moment donné, ça allait lui retomber sur le coin du nez. Hein, ça, hein, faut arrêter de croire que on peut pas manipuler hein, le tsar. Hein, il est pas manipulable, on va dire. Est-ce que c'était un attente de l'ATA contre cet avion? Donc, en effet, c'était quelque chose qui a été envoyé. On a envoyé quelque chose contre cet avion. C'est un secret pour le moment. Vous voyez, j'ai le livre des secrets. Sauf qu'il va être révélé. Il va être révélé. J'ai le soleil et j'ai la clé. Donc, au-dessus du secret, le secret va être révélé. Donc, pas maintenant, hein, mais on en saura plus. Alors, est-ce que c'était un attente de l'ATA? Donc, vu que ma question, est-ce que c'était un attente de l'ATA? Oui, parce que le secret de ça va être révélé. On s'en doute un peu, hein. On savait bien qu'il risquait sa peau, hein, de se retourner. Moi, il y a quelque chose qui a été lancé. Hein. Vous voyez, j'ai comme un, vous voyez, comme un missile, là, sur cette carte-là. Envoyé dans les airs. En direction des airs, donc ça a créé sa mort. Bon, il y a bien eu une rencontre hein, dans une maison au sein. Alors, moi j'ai de l'ordre de quelqu'un de son entourage qui l'a trahi, ce monsieur. Moi j'ai quelque chose de l'ordre de son entourage, je pense que quelqu'un de son entourage a dû dire l'avion qu'il prenait, le trajet qu'il faisait. D'accord? Parce que là, on me parle de stabilité au travail. Donc, il a retrouvé une certaine stabilité, hein, du coup, avec le tsar, soi-disant. Sauf que moi, j'ai la montagne là, j'ai le blocage entre eux parce qu'il y a quelque chose qui grignotait. Quelque chose qui a grignoté le, comment dire, le pouvoir que le tsar pouvait avoir sur lui. Hein, ça a été grignoté. Et là, j'ai la mort. Donc, elle est là, la faux, hein, vous voyez, la mort de cet homme-là. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui était... en soutien autour de lui, dans sa maison, dans sa famille, donc autour de lui, pas sa famille propre, mais sa famille militaire, je pense. Hein. Il y a eu une rencontre qui s'est faite, parce que là, j'ai la carte de la famille dans la maison. Donc, j'ai une rencontre qui s'est faite avec une personne qui était dans son entourage, dans sa famille autour de lui, qui a fait une rencontre avec, vous voyez, là, j'ai la belle cigogne avec la couronne et le petit, comment dire, caducé, là. Et moi, pour moi, tout ça, ça a été fomenté pour le tuer. Et vous voyez, j'ai le truc là qui s'envoie. J'ai une longue vue, mais moi, je vois un missile hein, qui part hein, dans les airs. Hein. Donc, pour moi, c'est bien une attente de l'ATA. Et c'est quelqu'un dans son entourage à lui qui l'a manipulé pour faire ça. Pour le faire partir du jeu d'échecs. D'accord ? Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'appeler ou me laisser un message pour une consultation. Voilà, tous mes tarifs sont sous la vidéo. Hein. Vous cliquez, vous voyez tout. Voilà, et donc maintenant, c'est pas avant fin de semaine prochaine. Pour les rendez-vous, voilà. Sauf les questions, je les fais là, rapidement, dans la journée d'après. Vous me demandez, le lendemain, je vous fais vos questions. Hein. Il n'y a pas de souci. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas le code -20%, Amber20, sur tout le panier d'essence Mana. C'est sous la vidéo. Alors là, ils sont en inventaire. Donc, ils sont fermés pour toute la semaine jusqu'à fin août. Donc, ils sont en inventaire. Donc, ils reprendront début septembre. Voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir. Ben, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.